Alléluia, Jesus is coming. He shall come. Voilà, bonjour, connectons-nous massivement s'il vous plaît. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo à tout le monde. Invitons. Invitons nos amis, nos frères, nos soeurs, nos bien-aimés. Invitons-les à bénéficier de ce moment extraordinaire avec nous ensemble. Voilà. Dans 2 minutes, par la grâce de Dieu, nous allons commencer. Bonjour à chacun. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit Jésus-Christ. S'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, abonnez-vous. Abonnez-vous et likez la page. C'est-à-dire que appuyez sur j'aime la page pour booster cette vidéo et pour nous donner une facilité de visibilité. Donc, likez la vidéo pour la booster, pour que Facebook puisse nous donner une plateforme facile. Donc c'est important, likez la vidéo et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné pour recevoir les notifications permanemment pour les interventions sur notre page, les enseignements ou bien les annonces surprises. Voilà.
Voilà. Aimons la page, aimons la page, aimons la page, aimons la page. Et on m'a dit hier qu'il y a une façon d'épingler les contacts sur Facebook. Bon, on va. On apprend petit à petit. Donc voilà, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est vivant, il est souverain. Voilà, il faut dire que nous n'avons pas une page qu'on appelle Zoé Channel. Nous n'avons pas de page qu'on appelle Zoé Channel. Si quelqu'un vous contacte sur Messenger, et puis nous ne demandons jamais à quelqu'un de donner les contributions, les offrandes sur Messenger. Si on vous contacte sur Messenger pour vous demander des offrandes, ce n'est pas moi. On ne demande pas des offrandes sur Messenger. Nous avons un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez m'avoir directement. Il y a un numéro WhatsApp que j'ai déjà eu à donner plusieurs fois pour les nouvelles personnes. On a un numéro WhatsApp que je vais encore appeler aujourd'hui. On m'a dit qu'il y a une manière d'épingler ça directement sur le direct. Je pense que je vais apprendre ça en journée. Je n'ai pas eu le temps hier parce qu'il fallait finir la conférence des diplômés et puis revenir sur Yaoundé. Donc, nous ne demandons pas de contribution sur Messenger. On vous envoie une amitié, on vous donne des prophéties. Je ne prophétise pas sur les gens sur Messenger. Je n'ai jamais fait ça. Je ne prophétise pas sur les gens sur Messenger. Non. Tu veux la prophétie, viens à l'église. We'll give you the prophecy there. Donc, si quelqu'un vous demande les offrandes sur Messenger, ce n'est pas nous. Nous n'avons pas de groupe WhatsApp pour le moment. Si on vous envoie, pour le moment là, on vous envoie une demande et qu'on vous dise qu'il y a un groupe WhatsApp, inscrivez-vous dans le groupe WhatsApp. Nous n'avons pas de groupe WhatsApp fonctionnel. Il y a un WhatsApp, mais il n'y a pas encore de groupe WhatsApp. Il y avait un groupe WhatsApp. Mais comme on ne peut pas faire les bonnes choses avec les gens ont dérangé. Donc voilà. Le WhatsApp, mon WhatsApp, c'est le plus 237. 672 13 03 23. Plus 237 672 13 03 23. Ça, c'est le WhatsApp. Voilà. Donc, c'est le seul. Il n'y a pas deux WhatsApp. En dehors du 672 13 03 23. Nous n'avons pas d'autre WhatsApp. Et ce numéro sert aussi pour ceux qui veulent donner des offrandes volontaires par Momo. Voilà. Tu peux dire que, OK. Moi, je vais être une bénédiction pour cette œuvre et ne pas être toujours un auditeur, un consommateur. Je vais être aussi un participant devant le Seigneur. Tu peux intervenir en envoyant une offrande Momo au 672 13 03 23. Nous avons aussi le numéro Orange qui sert d'Orange Money au 692 40 71 86. 692 40 71 86. Donc, les deux numéros là, Momo ou Orange Money là, si vous tapez pour faire une offrande, ça sera Ekane Ferdinand. Vous allez voir écrit Ekane Ferdinand, ce n'est pas un autre nom. Donc, si tu veux faire Momo ou bien MTN, Momo ou bien je ne sais pas trop quoi. Donc, il faut faire attention. Orange Money tu fais, MTN tu fais, Momo tu fais, ça va donner Ekane Ferdinand à ces deux numéros. Que Dieu te bénisse. Donc, pour le reste, c'est pas moi. Sur Facebook, je ne contacte pas les gens sur Facebook. Je ne prie pas avec les gens sur Facebook. On a Messenger, mais je travaille sur WhatsApp. Donc, si quelqu'un veut m'avoir, qu'il m'écrive sur WhatsApp. C'est affiché à la télé. Pour ceux qui sont à la télévision. Donc, et vous avez le compte PayPal pour ceux qui nous suivent en Europe, partout, dans le reste du monde. PayPal, c'est prophète.f.ekane@gmail.com. Prophète en minuscule, point f. Ekane en minuscule, @gmail.com. Ça, c'est mon numéro, mon adresse PayPal, mon compte PayPal. Donc, si tu veux bénir ce ministère, tu veux sortir de l'avarice, tu veux être quelqu'un qui soutient l'œuvre de Jésus-Christ,
alors tu peux envoyer un soutien, une offrande, une participation à ce ministère, à ce compte PayPal. Voilà, c'est plus facile. Tu fais ça sur le compte PayPal, prophète en minuscule, point, F, point, Ekane, point, non, ekane@gmail.com. Tu envoies ton offrande là-bas et le Seigneur te bénit au nom de Jésus. Aimons la page, s'il vous plaît. Aimons la page. Et vous savez, nous sommes, ça c'est notre plateforme. Ne sois pas un étranger ici, c'est notre plateforme. En tant que tel, nous devons bâtir cette plateforme. C'est-à-dire qu'en longueur de journée, il faut envoyer des invitations aux gens. Et puis toi-même, avant d'envoyer, rassure-toi que je suis abonné. Tu t'abonnes, toi, bâtissons le royaume de Christ. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et les réseaux sociaux, c'est un monde aujourd'hui dans lequel les païens, les satanistes se sont tellement investis. Nous, nous sommes en arrière. Donc, réellement, quand Dieu nous accorde une grâce comme celle-ci, d'avoir une plateforme comme celle-ci, où nous pouvons bénir nos journées, d'autres vont chez le marabout, d'autres sont dans la Rose-Croix, d'autres sont à la franc-maçonnerie, d'autres pratiquent la sorcellerie, nous, nous avons Jésus-Christ. Donc, pourquoi ne pas aussi faire les choses en grand? C'est-à-dire que tu travailles comme si c'était ta propre page, puisque c'est ta page. Ce n'est pas la page du prophète seulement, c'est ta page aussi. Puis c'est notre plateforme. C'est un peu comme si c'était une maison qui nous abritait à nous tous. Chacun doit participer à entretenir cette maison. C'est-à-dire que je prie que cet esprit de responsabilité et de responsabilisation soit donné à l'Église en général, aux enfants de Dieu. Tu restes toi-même chez toi comme ça là. Tu dis, bon, je m'engage à faire les affiches. J'ai remarqué que vraiment, notre page Facebook, si les affiches ne sont pas performantes, tu fais. C'est comme j'ai un de mes fils à Douala qui s'est engagé. Avant, on faisait les affiches, là, on payait. Celui-ci a dit non, maintenant je veux m'engager à faire les affiches. Quand il y a une annonce, je vois, il m'envoie les propositions d'affiches. C'est comme ça qu'on doit servir Dieu. Tu as dit non, écoute, moi je vais envoyer une contribution pour que l'œuvre aussi puisse avancer. J'ai remarqué que telle chose, je porte telle chose dans mon cœur. L'Esprit de Dieu m'a mis telle chose dans le cœur. Ouais, nous sommes dans une génération, l'Esprit de Dieu met les sujets de prière. L'Esprit de Dieu ne fait que mettre les demandes, mais l'Esprit de Dieu ne met jamais à cœur de soutenir l'œuvre. Il faut faire attention. Donc, soyons responsables, les chrétiens. Je pleure ces derniers jours devant Dieu. Je suis triste, profondément attristé. Profondément, je vous dis la vérité, profondément attristé à cause de la manière dont nous servons Dieu dans notre génération. Et nous espérons que Dieu nous aidera en changeant les mentalités de son peuple, des uns et des autres. Le christianisme, ce n'est pas dire je suis chrétien. C'est une lourde responsabilité. C'est porter cette responsabilité. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit que non. Si quelqu'un veut me suivre, mon ami, ne pense pas que. Quand j'ai porté la croix, là, j'ai porté pour nous deux. Jésus dit que jamais. Toi-même, tu portes ta croix. Et puis, c'est ça. Il nous responsabilise. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa propre croix. Qu'il porte sa croix. Tu sens aussi la douleur du christianisme, de l'engagement de servir Dieu comme moi, Jésus. J'ai senti la douleur. C'est vrai que je suis venu ouvrir la voie, mais tu vas quand même payer aussi un prix. J'ai porté la croix, toi aussi, tu portes. Donc, c'est un peu ça. Combien d'entre vous portez la croix de ce ministère? Parfois, je ne dors pas à cause des défis financiers matériels, à cause des lourdes factures mensuelles, à cause des salaires qu'il faut payer, à cause des grands défis que le ministère a sur le plan financier, les grands projets, les grandes réalisations, les continuations des programmes, de projets, etc. Parfois, je ne dors pas. Comme Paul a dit, qui n'arrive pas à dormir à cause du souci que lui font les églises. Vous voyez. Donc, quelqu'un, si on avait des gens qui portent la croix avec nous, Jésus m'a donné une croix. Et puis toi, tu coupes un morceau, la croix, là, tu portes. L'autre coup, un morceau, tu portes. Ça allait alléger ma croix. Tu restes chez toi, tu dis, OK, aujourd'hui, j'ai décidé, j'envoie 10 millions. Aujourd'hui, j'envoie 100 millions. Aujourd'hui, j'envoie 100 000. Aujourd'hui, j'envoie 500. Aujourd'hui, j'envoie 1000 francs. Aujourd'hui, j'envoie 100 francs d'après les ressources que Dieu m'a données. Et si nous serions à ce niveau, on ne serait pas à ce niveau. Non. C'est que ce ministère, si les gens, je vois les gens m'écrire, oh, prophète, vous avez maigri. Après la mort de Momi, vous avez beaucoup maigri. C'est vrai. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Si vous souteniez cette œuvre-ci, je ne pense pas qu'on allait maigrir comme ça. Il y a les choses, quand vous regardez Orange Money, les gens disent, oh papa, vraiment, Orange Money, si vous ouvrez un compte Orange Money, MTN, vous allez voir, c'est les arnaqueurs que vous nourrissez. On a ouvert Orange Money. Hein? Il y a presque rien dans le compte Orange Money, ou bien dans le compte MTN, ou chez Momo, ou chez Orange, ou MTN Money, je ne sais plus. Donc, c'est un problème. Mais les gens écrivent tous les jours, oh, papa, j'ai envoyé 300 euros, c'est des arnaqueurs. J'ai envoyé 500 euros, c'est des arnaqueurs. Donc, c'est un peu ça l'Église aujourd'hui. On doit changer de mentalité. Et j'ai dit une chose, comme je disais, je pense à Mireille, que je disais hier, pendant quand je suis rentré, quand on discutait,
On parlait sur quelques questions familiales. Je lui ai dit non. Aimer là, ce n'est pas la bouche. Aimer, c'est les actes. C'est important. Il faut que vous sachiez cela. Quand quelqu'un aime Dieu, on voit ça dans les actes. Quand un homme aime une femme, on voit dans les actes. Quand une femme aime un homme, on voit dans les actes. Et quand un enfant aime un parent, on voit ça dans les actes. Donc, c'est pas, on n'est pas dans une période où quelqu'un va dire non, tu sais que nous t'aimons, tu sais que je t'aime, ou bien non. On a, ce n'est pas ça. Non, non. Maintenant, c'est les actions. Même Dieu dit que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le cœur, pourquoi? Jésus-Christ a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Nous prions, nous ne voyons pas de changement, nous jeûnons, nous ne voyons pas de changement parce que nous ne posons pas les actes dignes qui convainquent le cœur de Dieu que nous l'aimons, que nous sommes de son côté et que nous sommes prêts à mourir pour lui. Seigneur, merci pour ta grâce. Bonjour à tout le monde, c'était juste un incipit. Et 6h11. Donc, nous disons merci à Dieu pour cette nouvelle journée. Nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Père! Balaros man sarateis, wa inesma li filiada ou da li voros. Père, merci pour cette nouvelle journée. Bénissons ton nom parce que tu es vivant. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Seigneur, prends contrôle et glorifie-toi. À toi la louange, à toi la force, la puissance, la dignité au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Nous allons ouvrir la fontaine de bénédiction la journée-ci. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Et c'est la grande conférence des bâtisseurs de la maison de Dieu ici à Yaoundé. Toi qui me regardes, qui ne peux pas être là, tu as le numéro Momo et tu as Orange Money, tu as PayPal. Donc tu ne pourras pas dire, Seigneur, tu ne m'as pas donné l'occasion de soutenir. Tu peux envoyer ta contribution de bienfaiteur par Orange Money ou bien par MTN Money, par Momo ou bien par PayPal. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier que Dieu puisse accorder la grâce à son peuple. Que Dieu nous enrichisse pour que nous soyons un soutien réel, un soutien en temps réel pour l'œuvre de Dieu. Vous savez, parfois nous prions comme ça et lorsque Dieu nous bénit, nous oublions Dieu. Nous nous occupons plus de nos affaires. Et c'est ce que nous allons encore voir ce matin. Nous prions que Dieu te donne des ressources financières. Et toi, n'oublie pas, lorsque Dieu t'aura béni, d'être responsable, de porter ta responsabilité vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans la prière. Père, Gouramiwa Inoslo, Laïta Tawa Anas Mali Falzaou. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton peuple. Je prie, dès qu'on est accord avec mes frères, Seigneur, bénis-nous, remplis-nous des ressources divines dans le nom précieux de Jésus. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Bénis les hommes d'affaires, bénis les commerçants. Bénis ceux qui travaillent. Seigneur, multiplie nos richesses. Libère la richesse dans nos vies. Donne-nous afin que nous te donnions. Seigneur, pendant que tu donnes, je prie que l'avarice s'éloigne du cœur de ton peuple. Seigneur, un peuple chiche. Seigneur, qu'il soit délivré. Un peuple qui, pour sortir l'argent pour le royaume de Dieu, c'est la guerre, il faut prier, jeûner. Seigneur, qu'un tel peuple soit délivré. Je prie que tu suscites des hommes et des femmes dans ton église, dans le monde entier, en Afrique surtout. Seigneur, qui comprendra la nécessité, la facilité à donner à l'œuvre de Dieu. Car c'est le plus, c'est le moyen d'investir le plus sûr pour un enfant de Dieu. Sois béni, Seigneur, d'âge en âge, au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse ta poche, qu'il bénisse ton porte-monnaie, qu'il bénisse ton compte bancaire, au nom souverain et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Donc, voilà un peu. Je voulais te montrer un peu la conséquence de servir Dieu ce matin. La conséquence de servir Dieu. Parce que, vous savez, on est en train de parler de briser les limites avec Jésus-Christ. Et c'est un thème très important qui me tient beaucoup à cœur parce que l'Église est bloquée partout, de toutes parts. Et j'ai essayé de montrer qu'il y a des questions. On a touché un peu beaucoup de questions. Pendant ce mois de juin, on a parlé de l'avarice, qui est un problème sérieux. L'avarice, c'est lorsqu'un enfant de Dieu a les capacités de soutenir l'œuvre de Dieu, d'assister financièrement, matériellement, l'œuvre de Dieu, et qui ne le fait pas sous prétexte personnel. Donc, c'est l'avarice. Quand tu as et que tu ne donnes pas, c'est l'avarice. Quand Dieu te met à cœur de donner et que tu ne le fasses pas, c'est de l'avarice. De l'avarice, c'est un peu ce qu'on appelle la chicheté. Ouais, c'est un peu ça. C'est être grigou en français. Donc, on a parlé de l'avarice. Nous avons prié. On a exhorté le peuple de Dieu d'éviter l'avarice. C'est une malédiction. Celui qui vit dans l'avarice ne peut pas prospérer. Dieu ne peut pas faire affaire ni business avec une personne qui vit dans l'avarice. Quand Dieu te bénit, c'est pour bénir d'autres personnes et bénir sa maison, bénir ses serviteurs. Donc ça, c'est très important. Et nous avons aussi, en dehors de l'avarice, nous avons parlé du sens du travail. Être chrétien ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. La prière ne remplace jamais le travail. Nous avons expliqué que Dieu ne peut pas te bénir si tu n'apportes pas un début. C'est-à-dire que le début ici, c'est le travail. Quand Dieu dit à Moïse, je veux sauver Israël à travers toi, mais qu'est-ce que toi tu as déjà? Tu m'apportes quoi? Vous voyez, il y a des préacquis que nous devons apporter et Dieu nous donne des prérequis et puis c'est le succès. Moïse a dit, j'ai un bâton. Donc le bâton ici, c'est le travail.
Ça représente quelque chose que tu fais et que Dieu s'appuie sur ces choses-là pour te bénir. Il faut que tu aies un comptoir au marché où tu vends la tomate. Dieu dira, c'est bien. C'est un travailleur, c'est une travailleuse. Je m'appuie donc sur le comptoir là pour faire d'elle une milliardaire d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc il y a quelque chose qu'il faut commencer. Et même si c'est laver la maison ou bien commencer comme un boy ou une bonne dans une maison ou un garçon de course ou de ménage, une fille de ménage, n'aie pas honte. Vas-y. Dieu te demandera, qu'est-ce que tu fais déjà? Tu dis, Seigneur, je suis une fille de ménage dans telle maison. Dieu dira, ok, c'est bon. Tu commences là-bas, peut-être tu travailles. Ton patron, Dieu l'utilise pour t'enlever de là, te mettre dans une maison encore plus grande. Et c'est comme ça que de fille de ménage dans la maison aussi, par relation, tu peux te retrouver à la présidente de la République de ton pays. J'ai raconté l'histoire d'une jeune femme ici à Issos qui coiffait à Issos. Elle a coiffé quelqu'un qui était proche de la première dame. Non, qui était proche de quelqu'un qui était proche de la première dame. Et c'est quelqu'un qui était proche de la première dame. Non, non, elle a coiffé quelqu'un qui était proche de quelqu'un qui était proche de la première dame. Et donc, cette femme l'a mise en contact avec celle qui connaissait une famille qui était proche à la première dame. Vous voyez. Guratawa Annas Roy. Et donc, cette femme-là l'a mise en contact avec la famille de la première dame. Elle coiffait maintenant la femme du monsieur qui était parenté à la première dame. Et la femme de ce monsieur étant bénie, la met aussi en contact avec la première dame. Et voilà comment. Et cette femme s'est retrouvée en train de coiffer la première dame. Donc, comme pour dire quoi? Pour expliquer que lorsque Dieu veut élever un enfant de Dieu ou bien élever quelqu'un, il s'appuie déjà sur un travail, un sacrifice que ces personnes font. Mais si tu pries, tu n'as même jamais posé des demandes d'emploi dans les sociétés où tu désires. Seigneur, je veux prier dans telle société, une société qu'on appelle Z. Et tu ne fais pas une demande d'emploi pour aller déposer dans cette société, ça pose un problème réel. Ouais. Donc il faut faire attention. Je crois que le sens de la responsabilité, c'est très important. Et vous voyez, lorsque nous demandons que Dieu nous bénisse et que Dieu te bénisse, et après tu disparais, même les dîmes, tu ne payes pas. Tu es un chrétien, tu n'as jamais payé la dîme. Ça fait des années que tu ne payes pas la dîme. C'est une honte. Les offrandes, mais tu ne donnes pas des offrandes qui sont proportionnelles à ta bénédiction. C'est ça la vérité. Tu donnes des offrandes de quelqu'un qui a moins d'entrée que toi. C'est à cause de ces choses-là que ça dit, on ne s'en sort pas. Tu vois un enfant de Dieu, il est prospère aujourd'hui, demain encore, ou après on a cuit la sorcellerie. La plupart des problèmes financiers que nous avons, c'est parce que nous ne respectons pas les principes de la bénédiction financière. Enfant de Dieu, je te dis la vérité. La plupart des difficultés financières que tu as, si tu regardes bien, est-ce que tu payes tes dîmes fidèlement? Est-ce que tu donnes les offrandes fidèlement? Est-ce que tu participes aux conférences des bâtisseurs de la maison de Dieu fidèlement? Est-ce que tu soutiens, c'est-à-dire à 100%, à 100 à l'heure, l'œuvre de Dieu? Alors, il faut dire que, attention, voilà, je pense que quand pour ceux qui vont faire les offrandes PayPal, le nom c'est Lord Dorlack. Oui, Madame Smith Dorlack. Voilà, je sais pas, Madame Smith Dorlack. Ce n'est pas mon nom que vous trouverez. Vous trouverez, c'est Madame Smith Dorlack. Voilà, son nom de notre, l'une de nos deux pasteurs de l'église d'Allemagne. Et je veux vous montrer quelque chose. Mes frères, mes enfants dans le Seigneur. Je vous parle le cœur lourd. Je vous dis la vérité. Je prie que Dieu ouvre vos cœurs pour comprendre surtout votre esprit. La confiance est difficile aujourd'hui. Je rends témoignage et vraiment, si quelqu'un se fâche, qu'il devienne meilleur que ceux de qui je rends témoignage. Nous n'avons pas, je ne suis pas quelqu'un qui fait acception de personne. Je disais à Mireille hier que vous pouvez témoigner. Je ne fais pas acception de personne. Je ne fais pas de combine. Si tu es dans le vrai, je te dis que c'est vrai. Tu es dans le faux, je te dis que c'est faux. Je n'ai pas, je ne fais pas, je ne suis pas dans la corruption. Vous comprenez? Donc, le compte PayPal est au nom d'une de mes filles, qui est l'une de nos deux pasteurs à l'église de Nuremberg. Sincèrement. Ce sont des enfants loyaux. Elles sont loyales. Elles sont fidèles. Ça, je peux témoigner de ça sans risque de me tromper. Ça veut dire que donnez-les des milliards. Elles craignent Dieu. Je ne doute pas de leur foi. Je ne doute pas de leur conviction chrétienne. C'est rare aujourd'hui. Je me méfie. Et elles sont de nouvelles converties. Je ne peux pas compter les plus grands vols que j'ai vécu. C'est-à-dire les gens qui m'ont volé le plus, c'est les enfants de Dieu. Et ceux qui se disaient mes enfants. Jusqu'à dernièrement encore, où j'ai été choqué de savoir qu'un de mes fils me volait l'argent. Les enfants de Dieu qui volent dans l'argent de l'église, qui détournent les fonds de l'église.
Vous leur faites les OM, vous allez faire le transfert d'argent, ça n'arrive pas, la totalité n'arrive pas. Tout fait attention. Donc moi, je pense que les gens doivent comprendre que la crainte de Dieu est importante. Dieu nous juge sur tout ce que nous faisons. Dieu nous juge sur tout ce que nous faisons. Maintenant, nous parlons, je parle de la conséquence de servir Dieu. Lorsque quelqu'un sert Dieu, quel est son salaire? Est-ce que la personne est maudite? Est-ce que la personne, c'est la pauvreté? Quel est le lien entre un enfant de Dieu et la pauvreté et la médiocrité? Il n'y a aucun lien, bibliquement parlant. Il n'y a aucun lien. Le souci de Dieu, c'est que nous recherchions premièrement le royaume et la justice de Dieu et que nous soyons riches sur la terre, que nous dominions. La domination est donnée à ceux qui servent Dieu. Mais cette domination, nous l'avons perdue dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, oui, mais dans le Nouveau Testament, non. Lisons par exemple Deutéronome chapitre 28. Quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, la Bible dit quoi? La Bible dit ceci, à partir du verset 1. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc, la Bible explique, c'est Dieu lui-même qui parle, que si nous obéissons à sa voix, si quelqu'un se résout de mettre en pratique les commandements de Jésus, de conformer son cœur à l'enseignement biblique et de se détourner de ses péchés pour plaire à Dieu, le Seigneur dit que la conséquence de cet engagement, c'est qu'il lui donne la terre. Il lui donne les biens de la terre. Ici, il ne s'agit pas de la vie éternelle. Non, il ne parle pas de la vie éternelle. Il parle des biens de la terre, de l'argent, des voitures, des maisons. Dieu dit que c'est une conséquence de l'obéissance à sa parole. Ce n'est pas la souffrance. Ce n'est pas être venu accompagner les autres. Ce n'est pas la médiocrité. Ce n'est pas l'esclavage ou l'esclavagisme spirituel ou matériel ou financier. Il dit, si tu obéis, c'est le conditionnel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, frère, c'est quel évangile qu'on nous prêche? L'Éternel, ton Dieu, l'Éternel, notre Dieu, Papa God, qui est au ciel. L'Éternel, ton Dieu, il ne dit pas un pasteur, un prophète. Lui-même, il a engagé la business. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, on va examiner ces bénédictions pour voir si Dieu parle de posséder la terre ou de posséder le ciel. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est la terre. Dieu te bénira dans la ville, dans toutes tes activités en ville et il te donnera des champs. C'est-à-dire, il parle de tes champs. C'est-à-dire, il fait de toi un propriétaire terrien. Combien de chrétiens ont des maisons? Combien de chrétiens ont des terrains? Voici, il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, c'est-à-dire tu donneras des troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Et vous savez qu'à l'époque, la richesse d'un homme se mesurait à ses bétails, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Aujourd'hui, ça veut dire les immeubles, les établissements, les maisons, les voitures, etc. etc. Dieu ne parle pas de bénédiction d'en haut. Un chrétien doit être prospère sur la terre. Il a le ciel. Dieu dit que si tu as le ciel, si tu recherches le ciel, et on va revenir sur ça, c'est Deutéronome 28 que Jésus-Christ a expliqué dans Matthieu 6, 24 et 33. Il dit, si tu obéis, d'où vient-il qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu est devenu pauvre et misérable? Nous obéissons, nous nous sanctifions, on est malheureux. Ça veut dire que quelque part, quelque chose ne va pas. Dieu n'est pas un menteur, mes amis. Dieu n'est pas un menteur. Je ne suis pas de ces chrétiens qui croient que la sanctification est synonyme de pauvreté, d'échec ou de médiocrité. Non. Je ne crois pas en ça parce que ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible n'a jamais enseigné que les enfants de Dieu, ses serviteurs, devraient être pauvres. Et je vous le prouve. On n'a pas besoin de prouver. Et tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol sera véritable. Il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est-à-dire que ta marmite sera bénie. Ta cuillère sera bénie. Ton plat sera béni. Ta cuisine sera bénie. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça veut dire que l'onction de voyage, tu ne vas pas prier, Seigneur, je veux voyager. Non, tu seras béni à l'arrivée, tu seras béni au départ. Ça veut dire que Dieu t'ouvrira les portes des nations. Tu vas aller partout où tu veux. Aujourd'hui, frère, nous voyageons pour aller devenir des esclaves dans le pays des Blancs.
Il dit, tu seras béni là-bas. Tu pars en France, tu es béni en France. Oh, tu n'es pas un esclave. Tu ne pars pas là-bas pour être un mendiant. Tu es béni. Tu arrives en France. Tu as des terrains. Tu achètes des appartements. Tu achètes des immeubles. Tu mets en location là-bas. C'est les Européens qui viennent louer chez toi. C'est ça que la Bible dit. Hein. Les enfants de Dieu qui vont aujourd'hui en Europe vont devenir des esclaves là-bas. Sur 10 que j'ai croisés, 8 au moins, n'ont même pas de demeure, ne sont pas fixés. C'est d'un moment à l'autre, on va les renvoyer, on va les rapatrier, ils se cachent seulement. J'ai dit la vérité, ça c'est mon expérience. De 10 couples que j'ai vus de filles africaines qui sont allées se marier avec les blancs là-bas, 8 sont chassés par leur mari, les maris ont confisqué les passeports, d'autres sont allés leur porter plainte, et à l'heure ci, elles sont en train de prier pour qu'on les renvoie, pour qu'on ne les rapatrie pas. Ce n'est pas de ça que Dieu parle. Ça, ce n'est pas Dieu. Donc, je dois conformer mon cœur à mettre en pratique la parole de Dieu. Je dois être un enfant de Dieu sérieux. Quand j'ai fait ça, je revendique la terre. Dieu doit me donner la terre. C'est un contrat avec Dieu. Et il dit que tu seras béni quand tu vas arriver dans ce pays là-bas. Quand tu arrives, tu es béni. En quittant d'abord, tu es béni. Tu ne voyages pas comme un pauvre. Non, non. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, si nous sommes ouverts à la parole de Dieu telle qu'elle est, sans prêcher notre évangile, l'évangile à médiocrité que j'entends, je vous dis la vérité, Dieu dit clairement que tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Ça veut dire quoi? Ça dit que tu ne quitteras pas l'Afrique comme un pauvre pour aller te chercher en Europe. Non, ou bien dans d'autres continents. Non, non. Dieu te bénira d'abord ici en Afrique. Tu quittes étant riche. Tu ne pars pas là-bas pour devenir mendiant. Tu ne pars pas en tant que mendiant chez les autres. C'est Dieu qui a aussi créé la France. C'est Dieu qui est le maître des États-Unis. C'est Dieu qui est le propriétaire de l'Allemagne. C'est Dieu qui a la Suisse. Le même Dieu peut te bénir au Cameroun, te bénir en Suisse. Notre Dieu n'est pas un Dieu limité. C'est-à-dire qu'il est forcément au Cameroun. Non. Dieu te bénit d'abord au départ, ton départ ici au Cameroun. Dieu te rend milliardaire, multimillionnaire d'abord. Quand tu arrives en Europe, tu vas avec tes moyens. Tu vas avec les moyens de ta politique. Tu ne vas pas là-bas pour mendier ou bien pour... Non, tu pars pour investir. C'est ça, le vrai destin des serviteurs de Dieu, de ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Dieu les rend heureux d'abord sur la terre et c'est prémonitoire au bonheur que Dieu a réservé pour eux dans le ciel. Il dit, le fruit de tes entrailles sera béni. Aujourd'hui, nos enfants, non, c'est-à-dire, tu vois les enfants, les chrétiens, tu pleures. Les gens se disent, non, s'il faut que je sois enfant de Dieu, pour que mes enfants soient misérables comme ça. Les enfants de chrétiens, comme s'ils ont le kwashiorkor, comme s'ils ont le beriberi. Nos enfants ne ressemblent à rien. Se vêtir, ils n'ont pas. Manger, ils n'ont pas. Souffrent du rachidisme. Quand les gens voient nos enfants, c'est la misère. Oh, David a dit, conformément à ses paroles, David s'est appliqué à mettre en pratique la parole de Dieu. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses enfants mendier leur pain. Mais nos enfants sont des mendiants. Nous-mêmes, on est mendiants. On monte, on descend. On doit mendier pour nourrir les enfants. On doit mendier pour habiller les enfants. C'est une grave erreur. Non, chaque parent, la nuit si je n'ai pas vraiment dormi, parce que je réfléchissais sur la responsabilité d'être parent, la fierté d'être parent, c'est le succès de nos enfants, c'est la représentativité de nos enfants. C'est que nos enfants portent une certaine gloire, mais les enfants des chrétiens, peu, sont ceux qui portent la gloire. Pour aller à l'école, c'est le problème. Pour manger, c'est le problème. Pour travailler, c'est le problème. Nos enfants sont parfois errants comme des dromadaires solitaires dans les lieux arides des déserts. Ouais. C'est ça pas le problème. Et ce n'est plus conforme à la parole de Dieu. Ce que nous lisons est très différent des réalités que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. Ouais. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Hey! L'Éternel ordonnera à la bénédiction. Hey! L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Makata, quand on voit la vie de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, on voit la malédiction et non la bénédiction. Donc c'est quelle parole de Dieu que nous mettons en pratique? Quelque chose ne va pas quelque part. Quelque chose ne tourne pas rond quelque part. Quelque chose ne va pas. Où est cette bénédiction dans nos vies? Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction.
d'être avec toi dans tes greniers, c'est-à-dire tes épargnes. Tu dois avoir un compte bancaire. Combien d'enfants de Dieu ont le grenier? Le grenier à l'époque, aujourd'hui, c'est le synonyme d'épargne, de compte bancaire. Des enfants de Dieu, pleins, ne sont jamais allés devant une banque pour épargner parce qu'ils n'ont pas. Où est donc la bénédiction de l'Éternel? Il dit, l'Éternel, Dieu dit, j'ordonnerai la bénédiction de suivre parce que tu es mon enfant, tu es ma fille, parce que tu as abandonné le monde pour moi. Tu as régné la mondanité pour moi. Tu as abandonné le péché pour moi. Tu te sanctifies pour moi. Aujourd'hui, plus tu te sanctifies, plus ta souffrance augmente. Plus tu te sanctifies, plus on se moque de toi. Tu deviens sujet de honte davantage. Et les gens se disent, ah, moi j'ai le ciel, j'ai ma vie éternelle, ça me suffit. Mon ami, tu es sûr que tu as la vie éternelle? Es-tu sûr que tu as la vie éternelle? Oh non, mon nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. Tu es sûr que ce n'est pas dans un roman que ton nom est écrit entre la terre et le ciel? Il faut faire attention. Le vrai christianisme, un vrai serviteur de Dieu, la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, il y a un salaire pour ceux qui servent l'Éternel. Voici la Bible. Sauf si vous allez inventer notre Bible. Voici la Bible que nous lisons, frère. Il dit, j'ordonnerai, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Tes greniers doivent regorger de blé de mou. Un enfant de Dieu doit avoir des épargnes, des comptes bancaires sur la terre. Il doit être riche. Tu es riche au ciel et tu es riche sur la terre. Tu es riche dans les choses d'en haut, tu es riche dans les choses d'en bas. Voilà la volonté parfaite de Dieu pour son héritage, pour ses serviteurs. D'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. C'est-à-dire que tout ce que tu entreprends, tu réussis. Et c'est la Bible, non? Quand vous lisez Somme chapitre 1, ça commence par la prospérité des serviteurs de l'Éternel. On va revenir sur ça demain. Il dit, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Partout où tu es, tu seras béni. Pas maudit, mes frères. Pas maudit. Et dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Ma sanctification doit être assurée devant le Seigneur. Je dois me rassurer d'être dans la volonté parfaite de Dieu pour revendiquer ça. Si ta vie n'est pas une vie de sainteté, une vie de consécration, de pureté, ton cœur n'est pas tout droit envers l'Éternel ton Dieu, ne t'attends pas à ça. Mais si tu es un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, qui mène sa vie selon la Bible, le standard de la Bible, ça c'est ton héritage. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Aujourd'hui nous sommes méprisés. Tu ne peux pas parler dans ta famille. On t'insulte. Tu veux dire un mot, on t'insulte. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas la gloire dans ta vie. L'Éternel te comblera de bien. Hey! Zamara! L'Éternel te comblera de bien. Moi, prophète Ferdinand Kane, je crois. Seigneur, je crois. Je crois et je prie. Pendant que je me force à conformer mon cœur à ta parole, comble-moi de bien. Seigneur, donne-moi des maisons, donne-moi des terrains, donne-moi de construire des hôtels. Seigneur, donne-moi de construire des hôtels, des immeubles, de les mettre en location. Construis des établissements, mon Dieu. Seigneur, achète-moi les voitures. Je vais rouler dans de bonnes voitures. Je vais en mission partout. Mais si je vais aller aux États-Unis avec la voiture, je prends. Donne-moi des jets privés, Seigneur. Je prends mon jet, je vais en Amérique, je prêche. Je vais en France, je prêche. Seigneur, je crois que l'or et l'argent t'appartiennent et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Rémunère-moi. Seigneur, moi, rémunère-moi. Au nom souverain de Jésus. Il dit, l'Éternel te comblera de bien. Tu as la maison ici. Les voitures, ton parking plein. Mes amis, vous pensez que Dieu a créé la terre pour donner ça à ses ennemis? Vous savez même parfois comment? C'est-à-dire, Seigneur, on est même dans quel siècle? Qu'est-ce qui est arrivé à l'église? L'appel à l'excellence a disparu. Les chrétiens, c'est la médiocrité. Les gens ont peur de nous. Les gens ont peur de nos églises. Nous-mêmes, nous sommes à l'origine de notre malheur. Aucune gloire. Tu vois un chrétien, c'est la misère, c'est la pauvreté. Frère, je ne suis ni un cousin proche ou éloigné du pauvre Lazare dans les Saintes Écritures. Non. Je crois en Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, me comble de bien. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Il s'agit de l'argent, frère, de la richesse, mes amis. Il s'agit de la bénédiction financière et matérielle. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Nous travaillons comme des esclaves. Tu travailles comme l'éléphant, tu as le salaire, la fourmi. Voilà le sort des enfants de Dieu que j'ai observé dans cette génération.
On travaille, l'argent nous fuit. On travaille, l'argent court devant nous plus que Mimi. Or, c'est pas ce que la Bible dit. Donc, soit tu ne pratiques pas bien la parole de Dieu, soit tu ne crois pas que Dieu peut te bénir, soit tu es de ceux que la pauvreté a déjà ensorcelé, qui pour eux, lorsque quelqu'un réussit, lorsque cette chose, cette parole s'accomplit, c'est la sorcellerie, ils ont trempé. Oui, on a trempé dans Deutéronome 28. Voici le vrai trempement. Ça, c'est le vrai trempage ici. La Bible dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor du ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Les enfants de Dieu sont dans des endettements dangereux. Il y a des enfants de Dieu qui changent le numéro de téléphone tous les jours. Hein. C'est leur créancier qui fuit. Ton ancien bailleur te cherche. Tu déménages à minuit. 2h du matin, 3h du matin. Les enfants de Dieu, les dettes comme ça. Dans ton quartier, on te connaît comme celle qui a les dettes de tomates, les dettes de jansan, les dettes d'oignons, les dettes de d'ail, les dettes de persil, les dettes de 5 ans. Chez le boutiquier, ton boutiquier au quartier, tous les boutiquiers de ton quartier sont derrière toi, ils connaissent ton nom. Il y a un cahier, tu as un cahier chez eux. Ce n'est pas le sort que Dieu a réservé pour son peuple. Désolé, je suis obligé de vous dire ça. Ce n'est pas ça le vrai christianisme. Jésus-Christ connaissait ça. Il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut. Et tu seras, bon, on va construire ça demain. L'Éternel fera de toi la tête, la queue. Tu es la tête. Parfois même la queue, là, toi tu es la queue, le. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont même pas la queue. La queue encore, c'est sur l'animal. Peut-être des queues coupées, jetées par terre. Nous ne ressemblons à rien. Parce qu'on vous a enseigné que le christianisme, c'est que j'ai mon ciel, mon nom écrit dans la vie éternelle, et ça me suffit. Mon ami, si Dieu ne me bénit pas pour me garantir, pour me prouver, me rassurer que je suis en train de mettre en pratique sa parole sur la terre, je douterais que mon nom soit écrit dans le livre de la vie éternelle, puisque je ne suis pas encore allé voir là-bas. Si les bénitions qu'on voit, celles qui sont visibles, je ne suis pas encore en temps possession d'elles, mon ami, je peux quand même un peu douter. Le doute est permis sur est-ce que mon nom est vraiment écrit, est-ce que les bénédictions d'en haut sont mon partage. Il faut faire attention. Il faut des signes, il faut des choses, des évidences. Gédéon a dit que, ok, d'accord, je ne doute pas. Et tu as dit que je parte, mais je ne vais pas aller, on me tue là-bas. Alors, voici la toison, je pose ma toison, il met le coton, l'éponge, il dit que, ok, je prie, Seigneur, permets qu'il y ait la rosée et qu'il n'y ait pas de rosée en plein soleil, que le coton aussi soit imbibé d'eau. En plein soleil, le coton était imbibé d'eau. Le gars vient encore, il dit, ah, c'est vrai, c'est toi qui m'as parlé, c'est vrai, tu as dit que je parte combattre l'ennemi d'Israël. Oui, je vais aller, Seigneur, mais j'ai une dernière chose que je te demande. Maintenant, fais qu'il y ait la rosée partout, mais que le coton aussi soit sec. Et c'est arrivé. Le gars avait raison. Si je n'ai pas des évidences sur la terre, mon ami, ce n'est pas sûr que les évidences du ciel là sont rassurées. Il faut comprendre, il faut être intelligent. Si tu sais Dieu, toi ta vie c'est la malédiction plutôt qui est la conséquence. Mon ami, ça dit que quelque chose ne va pas quelque part. Qu'est-ce qui te rassure donc qu'au ciel tu as les richesses d'en haut? La Bible explique que celui qui possède le ciel possède la terre. Voilà le vrai évangile. Les enfants de Dieu devaient être les meilleurs, des ingénieurs, des hommes d'affaires avérés. Un enfant de Dieu qui va dans les affaires, la Bible dit clairement que chaque activité de ta vie ne choue pas, est bénie plutôt. Maintenant, quand vous lisez ça, vous revenez dans Matthieu 6, le verset 33, vous comprendrez mieux Matthieu 6, verset 33, en comprenant Exode, Deutéronome 28. La Bible dit, Matthieu 6, 33. Il dit, Zeteite de proton, ten basilehian, touteyu. Recherchez premièrement proton, veut dire en premier lieu, de manière prioritaire. En priorité. Il dit, recherchez en priorité. Il dit, Zeteite de proton. Il dit, en fait, le Zeteite est mis pour deux choses, le royaume des cieux et le royaume de la terre. Hein? Voici ça. Hein? Pour mes amis qui lisent grec. C'est ça. Il dit, Zeteite de proton. Ten basileian touteyu. Kai ten dikai osunen. Aouto. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Kai tauta panta prostete setai humin. Et toutes ces choses vous seront ajoutées par-dessus. Et je suis en train d'expliquer que zeteite, ici, le mot zeteite en grec est mis pour le royaume basileia touteyu et pour les panta auto, pour le reste, c'est-à-dire pour le bien de la terre. Donc Jésus-Christ met devant le croyant
deux choses, le royaume d'en haut et le royaume d'en bas. Et il dit, recherchez premièrement le royaume d'en haut. Un enfant de Dieu, tous les jours de sa vie, doit se sanctifier. Il doit se demander, est-ce que ma vie est conforme à la parole de Dieu? Le premier souci d'un enfant de Dieu, c'est pas, est-ce que je vais manger? Est-ce que j'ai bu? Est-ce que mes enfants? Non. D'abord, est-ce que ma marche avec Dieu est bonne? Est-ce que ma vie quotidienne avec le Saint-Esprit est bonne? Est-ce que ma vie de prière est bonne? Est-ce que ma vie de sanctification est bonne? Est-ce que je mène une vie de justice? Est-ce que je suis un homme juste? Est-ce que je suis une femme juste? Est-ce que je suis un homme intègre? Il développe sa relation avec Dieu. Il développe son intimité avec Dieu. Lorsqu'il s'est rassuré que c'est bon, maintenant, la conséquence de ce souci à plaire à Dieu, c'est que Dieu lui donne la terre, ses entreprises. Hein? Il dit, je bénirai toutes tes entreprises. Or, on ne peut pas avoir d'entreprise si on n'est pas un travailleur. Donc, le travail est fondamental dans la vie des chrétiens. La prière ne fera pas que les maisons apparaissent mystiquement devant toi. Non. Pour que tu construises cette maison, il faut que tu aies des projets, que tu travailles, que tu réfléchisses. Tu t'asseyes chez toi, tu dis, ok, comme je suis là, je dois faire telle chose. Et tu mets ça devant Dieu. C'est pour ça que nous sommes en train de prier sur les diplômes. C'est aussi pour ça que je veux prier avec les bienfaiteurs ce soir, ici à la Bible, à Yaoundé, à partir de 16h. À la Bible. Mon ami, j'ai remarqué que beaucoup de bienfaiteurs donnent leurs semences les dimanches, parce qu'ils sont occupés. Mon ami, ce que tu donnes dimanche ne remplacera jamais ta présence et ne remplacera jamais les prières que nous faisons pour toi. C'est important, vous comprenez. Donc, nous devons rechercher le royaume de Dieu et rechercher les biens de la terre. Quand j'ai le royaume des cieux, les biens de la terre, vraiment, ça ne sera pas compliqué pour moi. Vous comprenez? Donc, le peuple de Dieu, nous devons travailler. Réveillons-nous. Nous avons cru que le christianisme, c'est je prie au nom de Jésus Seigneur, je prends les maisons, consomme les maisons. Dieu ne viendra jamais prendre la truelle et puis le quoi pour te faire les maisons. Non, tu dois travailler. C'est ton travail que Dieu bénira. C'est à partir de ce travail-là que tes entreprises réussiront. Quand il dit « il bénira toutes tes entreprises », ça veut dire que « entreprendre » en français veut dire « prendre des initiatives » dans le sens de travailler. Donc la paresse est une gangrène. La paresse peut t'empêcher, tu peux te sanctifier, faire ta vie conforme à la parole de Dieu. Mais si tu es paresseux, tu seras pauvre, tu vas souffrir. C'est ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont frustrés. « Oh, je fais la volonté de Dieu, depuis là je me sanctifie, ça fait 10 ans, mais ma vie ne donne pas. Est-ce que tu n'es pas paresseux? Est-ce que tu t'es battu ?» Quand tu essaies une fois, tu te décourages. Non, tu dois essayer encore et encore jusqu'à trouver ton chemin. Dieu agit avec les travailleurs et non pas avec les paresseux. Donc, c'est important de comprendre ces choses-là. Mes amis, levons-nous. Reprenons possession de nos possessions. Nous sommes très en retard. Regardez nos églises. J'ai dit à Douala l'autre jour, des milliers de personnes, 2000 à 3000 personnes dans une salle. Mais cependant, combien? Vous regardez dehors, peut-être il y a une vingtaine de voitures. C'est-à-dire que si chacun était béni dans ses affaires, dans ses entreprises, mes amis, et que chacun avait la voiture, le quartier tout entier ne suffirait pas pour notre parking. Quel est le taux de chômage parmi le peuple de Dieu? On doit se soucier de ça. Quel est le taux de chômage et le taux d'intellectuels dans la maison de Dieu? Ils sont nombreux qui ont de grands diplômes, comme on a fait à Douala. On a prié sur leurs diplômes. J'ai dit, venez avec les diplômes, je veux bénir ça. Tout maléfisme pratiqué sur tes diplômes, je brise cet maléfisme au nom puissant de Jésus. Et je prie que tu profites de ton diplôme. Je déclare la parole prophétique sur ton diplôme et Dieu le fait. On a des gens qui ont la maîtrise, qui ont le doctorat, mais qui lavent les maisons d'autres personnes. Et vous pensez que c'est normal ça? Où est la bénédiction de l'Éternel notre Dieu? Toute imprécation, toute pratique de sorcellerie dans ton diplôme, sur ton diplôme. Tu es allé à l'école, on a dit ok, elle allait à l'école, il allait à l'école et il ne va rien faire avec. Je brise ça au nom puissant de Jésus. Je brise ça et je déclare dans la puissance qui est dans le nom de Jésus, que ton diplôme, tu vas vivre avec. Ton diplôme là, tu vas manger sur ça bien. Tes enfants vont manger bien sur ça. Tu vas laisser un héritage, tu n'es pas allé à l'école pour rien. Nous brisons ça. Donc à Yaoundé, la date sera donnée. On va faire ça au nom souverain de Jésus. Ce matin, je veux quelqu'un qui va faire une folie devant Dieu. Fais une folie, fais une folie. J'ai dit à Yaoundé, parfois je suis étonné lorsqu'on dit, un prophète vient sur Dieu et dit, ok, Dieu m'a mis à cœur de vous demander, fais une folie, fais une offrande que tu n'as jamais faite à Dieu. Dieu va ouvrir une opportunité dans ta vie. Il y a des gens qui sont assis. Quand ton frère va avancer, tu vas dire qu'il a pratiqué la sorcellerie. Non, il a répondu présent à un appel de Dieu quand toi tu étais assis. Parce que tu te disais, non, ah, ça c'est rien, c'est zéro. Non, mes enfants, faisons de Dieu notre associé. Ce matin, j'attends quelqu'un qui va faire une offrande spéciale pour ce ministère. Une offrande spéciale. Une offrande que toi seul et Dieu, vous connaissez. C'est ton entente avec Dieu. Tu peux le faire par Orange Money ou par MTN Money. Tu prends un vœu devant le Seigneur. Tu dis, Seigneur, cette parole ne peut pas sortir. Elle ne peut pas partir loin de ma vie sans que j'en profite.
Non, Seigneur, je veux faire la différence. Dans le nom précieux de Jésus, tu es loin, tu as le compte PayPal. Voilà, prophète, c'est prophète en minuscule, point, F, point, ekane, arba, gmail, point, com. Voilà, comme tu le fais, que Dieu te bénisse dans le nom précieux et souverain de Jésus. S'il te plaît, laisse-moi travailler, prier pour toi. Je prie pour toi. Tous ceux qui sont à Yaoundé, la conférence de ce soir est spéciale. À Douala, c'est le 29. Si tu es dans la ville de Douala ou dans ses alentours, tu attends un miracle financier dans ta vie. Pardon, ne mens pas à la conférence, bienfaiteur. Désormais, ne joue pas avec. Ce sera le moment d'impartition où Dieu lèvera un peuple riche, où Dieu change ta mentalité. Il casse les malédictions, les barrages, les barrières dans ta mentalité. Nous comptons sur toi. Je vous ai expliqué dernièrement que Dieu ne peut pas nous exiger les dîmes et les offrandes si on n'est pas béni. Non, Dieu ne peut pas exiger. L'on ne se présentera pas devant ma face les mains vides s'il ne sait pas qu'il faut que tu aies l'argent. Ce qu'il t'a donné, il te redemande. Que Dieu te bénisse, que Dieu te rende riche. Si quelqu'un dit amen, le Seigneur le bénit immédiatement. Que Dieu te sorte de la pauvreté, qu'il te sorte de la mendicité, qu'il te sorte de toute espèce d'esclave, esclavage financier, au nom souverain de Jésus. Seigneur, bénis ton peuple ce matin. Père, bénis ton peuple. Seigneur, bénis ton peuple. Tous ceux qui ont foi en ta parole, qui croient en ta promesse, Seigneur, que la confusion financière et matérielle c'est loin de leur vie, dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Prépare ta bouteille d'eau. Je vais prier avec toi tout à l'heure. On va prier. Non, on va prier. Ça, Dieu doit intervenir. Garaza wa inesla italfo. Groseka insras. Père, au nom puissant de Jésus, par cette eau, je prie que les portes des finances soient ouvertes devant ton peuple. Seigneur, pendant que nous lavons la face, je lave ma face. Seigneur, j'enlève la honte, la misère, la pauvreté de ma vie. Au nom précieux et souverain de Jésus-Christ, de Nazareth, Seigneur, quiconque lave sa face ce matin, éloigne la pauvreté de sa vie, lave la pauvreté de sa vie, lave la honte de sa vie, lave la misère de sa vie, dans le nom précieux et souverain de Jésus. Seigneur, comme je lave ma face, je lave de ma vie la honte, de la pauvreté, de la mendicité, au nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je crois en cet acte prophétique. Comme tu as lavé les pieds de tes disciples, Seigneur, ma face lavée aujourd'hui, tous les blocages sont ôtés dans le nom précieux souverain Jésus. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Vraiment, je n'ai pas fini tout ce que je voulais dire, mais demain, nous allons continuer. Lave ta face et le Seigneur ôte de ta vie la honte de la pauvreté et de la misère au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Amen. Donc, je vais prier avec quelques personnes. La conférence bienfaiteur à Yaoundé, c'est tout à l'heure, à partir de 16h. Donc, ne manque pas la bière, s'il te plaît. Et ce vendredi, nous avons la grande nuit des flammes. Vous n'avez jamais assisté à notre nuit des flammes. Venez. C'est la nuit des mouchoirs blancs. On va vous distribuer des mouchoirs, ouin. C'est-à-dire gratuitement. Gratuitement, les mouchoirs seront à l'église. Je vais prier sur les mouchoirs là-bas à l'église et on va distribuer les mouchoirs à chacun. Et dimanche, on va prier encore sur ce mouchoir et tu vas aller avec l'Éternel, va trouver des opportunités comme à l'époque de l'apôtre Paul. Le Dieu de Paul est le même Dieu que je sers en tant que prophète aujourd'hui dans ma génération. Comme tu as lavé ta face, l'Éternel vient de laver la malchance de ta vie, laver le blocage de ta vie et rendez-vous demain pour le lavement de la face contre les blocages, la malchance, les limitations au nom précieux et souverain de Jésus. Vous voyez, au fond, on t'apporte la compréhension de l'évangile, la compréhension de la parole. Quand tu comprends la parole, maintenant pose un acte prophétique qui vient débrayer le reste. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Je te mets au défi. Obéis à ces injonctions prophétiques et tu vas voir ce que Dieu fera dans ta vie. Je te dis la vérité. Tu as le numéro Momo et tu as Orange Money. Je vais rappeler le numéro rapidement. Pour ceux qui veulent faire poser un acte, bâtir un hôtel ce matin devant Dieu. Seigneur, je veux mettre un acte que je n'ai jamais fait. Je prends le risque de poser un acte que je n'ai jamais posé. Orange Money, c'est le plus 237 692 40 71 86. Quand vous le faites, c'est le nom Ikane Ferdinand qui va apparaître. 692 40 71 86. Et Momo, 672 13 03 23. 672 13 03 23. Et vous avez PayPal, prophète.f. ekane@gmail.com. Donc ça c'est pour le numéro pour le compte PayPal.
Que Dieu te bénisse pendant que tu poses cette action matin au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, le standard est ouvert. Vous pouvez appeler. Et pour ceux qui sont au Cameroun, s'il vous plaît, appelez. Appel direct. Et les autres frères qui sont loin, appelez WhatsApp. Appel WhatsApp. Vous avez le numéro WhatsApp avec vous. Vous pouvez appeler dès maintenant. On va prendre le premier appel. Oh, il est parti. D'accord. Seigneur, merci pour ta grâce au nom souverain de Jésus. Le standard est ouvert. Appelle, tiens, sujet, prière, témoignage. Et dis-moi d'abord ce que tu as retenu de l'enseignement ce matin. Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Allô? Allô. Le volume n'est pas bon, s'il vous plaît. Allô? Voilà. Donc, le volume n'était pas bon. On ne pouvait pas suivre ce qu'elle disait. Voilà, on va prendre un autre appel. Alors, les gens bipent. Ça, c'est les bips. Ok, merci Seigneur. Il nous reste quelques minutes, 5 minutes. Voilà. Donc voilà, les numéros sont ouverts. Hein. Le numéro MTN pour Orange Money. Que Dieu te bénisse pendant que tu fais Orange Money. Au nom souverain de Jésus-Christ. Pose un acte devant Dieu ce matin. Allô, bonjour. Allô? Bonjour? Allô, bonjour? Allô? Ok? Est-ce qu'il y a un problème avec les appels aujourd'hui? Seigneur, merci pour ta grâce. Le Seigneur te donne une opportunité ce matin. Ne laisse pas passer cette opportunité dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Père, nous te bénissons pour ta grâce, pour cette journée. Que l'Éternel bénisse nous sommes quand c'est mercredi. Que l'Éternel te fasse posséder les portes de mercredi. Lève ta main où tu es. Lève ta main. Dis mon Père et mon Jésus. Je prends possession de la porte de la journée de mercredi. Je commande que tout ce qu'il y a de meilleur dans cette journée me soit donné. Tout malheur préconisé dans ma journée de mercredi. Seigneur, j'ôte ce malheur et le sépare de ma journée. Au nom précieux de Jésus, porte de mercredi, je prends contrôle sur toi. Bénis ma vie, bénis-moi financièrement, bénis-moi matériellement. Et je mange les meilleures productions que tu as pour moi. Au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Comme tu sors de ta maison, le Seigneur te bénit. Bonne journée à toi, la main de Dieu sur toi et ton témoignage sera grand. Avant de partir, pose cet acte devant le Seigneur. Dis-lui, je bâtis cet hôtel, je suis fatigué, je veux changer de niveau. Bâtis un hôtel qui obligera le niveau de ta vie de changer en faisant un Orange Money, une offrande par Orange Money ou bien par MTN ou alors par PayPal. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Amen.